Hoyo à tous, ici Lou, et bienvenue dans l'autre façon de jouer. Et je me suis transformé en mouton. Mais non. Moi je ne me transforme qu'en loutre, c'est bien connu. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode sur Raventown. Et j'ai avancé. Je me suis bien occupé des murs en attendant, hein. Comme vous pouvez voir, c'est fait partout, partout, partout. Alors là, je l'ai fait plein exprès, parce que, enfin, il y aura bien sûr les deux entrées, mais ça, on fera ça ensemble. Donc pour l'instant, c'est plein. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait les fenêtres ici. Voilà. Donc là, pas de souci d'ailleurs. C'est le mauvais bloc que j'ai dans la main. Oui, c'est bien ce que je pensais. Voilà, donc je reprends celui-là, ce sera plus pratique. Donc j'ai fait les fenêtres, on peut voir le point de vue d'ici, voilà, ça rend sympa. J'ai changé la couleur de la fenêtre, c'est pas pour un choix définitif de la couleur, hein, c'est juste pour avoir, enfin, pour que ce soit la même couleur partout, pour voir ce que ça donne dans l'ensemble. Il y avait une fenêtre bleue au milieu de toutes ces fenêtres un peu marron, et ça faisait vraiment très bizarre. Donc voilà. Aussi petite chose, j'ai monté, enfin là, j'ai fait cette ligne-là là, qui était en brique. Enfin la ligne où il y avait la base des fenêtres, je l'ai fait tout en stone brick parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait tout un trop bas. Mais c'est pas gênant, je trouve que les fenêtres sont à bonne hauteur, elles sont bien proportionnées, etc. Donc en fait, j'ai juste rajouté une ligne de briques en plus. Voilà. Enfin, de stone brick, pardon. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu terraformé et enfin, j'ai surtout rajouté des blocs. Et de ce côté-là, j'ai bien mis toute la construction. Enfin, je l'ai abaissé. De l'autre côté, c'est pas encore fait, hein, mais ça ne saurait tarder. Ça sera fait au fur et à mesure. Donc voilà. Donc dans cet épisode, on va déjà s'attaquer au sol pour pas forcément pour une chose, c'est qu'on n'aura pas comme ça à voler partout tout le temps. On pourra se déplacer en marchant et ça donnera un meilleur point de vue de la chose parce que voilà, avoir la vue de la gare d'ici, c'est bien joli, mais bah les gens ils la verront pas d'ici, hein. Il y aura sûrement pas d'étage ou pas qui pourront pas d'étage où ils pourront accéder, donc voilà. Donc pour le sol, donc on va faire ça tout de suite. Si vous vous rappelez bien, j'avais prévu que sur tous les côtés il y aurait soit boutique, soit bureau, soit centre d'accueil, etc. Donc je pense qu'on va faire ça jusque là-bas, jusque là. Donc sur tout ce flanc-là, sur le côté, ici aussi, dans la diagonale et jusqu'à cette fenêtre-là. Pareil de l'autre côté, si ce n'est que là-bas il y aura une surface commerciale plus grande étant donné qu'il y aura la zone commerciale comme je disais, enfin une zone commerciale. Donc si ça se trouve là ça sera plus bureau. Et là, ce sera plus boutique, je pense. Je pense que ça se passera comme ça, mais on va faire de la même taille des deux côtés. Donc, sur la partie bureau, on va utiliser de la stone brick pour le sol. Tout simplement. Alors, juste voir où est-ce que ça s'arrête. Je crois que je vais le faire s'arrêter là. Est-ce que je pourrais faire une ligne qui prolonge vers le haut? On va voir. Donc là, il y aura les murs qui sépareront les bureaux. Donc, excusez-moi, je me chope une crampe en même temps, c'est absolument horrible. Pourtant, il fait, enfin, c'est pas à cause du froid, ça peut pas être à cause du froid étant donné la chaleur qu'il fait ces temps-ci, enfin, au moment où je tourne la vidéo. Voilà. Donc là, pour l'instant, je fais juste les délimitations. On s'occupera du reste après, enfin, de le faire bien comme il faut après. Donc la même chose de l'autre côté, là, donc on va compter combien il y a de différence ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on va le faire prolonger de 6 aussi, tiens, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, dans cette direction, donc ça on va pouvoir le remplir tout de suite, hein. Donc si je me trompe pas, ça fait aller là, voilà. Hop.
Donc ça sera une partie, enfin la partie brique qui fera le lien entre ce qu'il y a à la gare et le quai. Je voulais pas mettre l'autre type de sol tout de suite pour pour que ce soit un peu plus progressif. Parce que dans le coup là, ça s'arrête là et ça aurait fait brut changement de sol d'un coup. J'avais pas spécialement envie. Alors. On va faire le sol ici. Je réfléchis en même temps sur ce qui est faisable. Alors, il faut savoir, donc je crois que je l'avais dit, on avait même commencé à regarder ensemble, le sol de la gare sinon sera en bois. On avait regardé quelques bois. Alors j'ai regardé aussi un petit peu de mon côté. Je regardais la marguerite. Enfin la marguerite, la vache. Mais toutes les vaches s'appellent Marguerite, c'est pour ça que je dis Marguerite. Ouais, ce sera en bois, et donc j'ai regardé les types de bois de mon côté, et je pense que ça serait pas mal d'utiliser un bois un petit peu plus exotique. Alors je vais vous montrer tous les types de bois. Donc là, hop, un type de bois, un autre type de bois. Le birchwood, il est trop moche, enfin il est pas moche, mais là il ira pas du tout. Et il manque le Dark Oak. Il manque le Dark Oak. Le spruce, pardon. Le spruce. Voilà. Alors, et le spruce. Alors, celui-là, je trouve que ça n'ira pas du tout. Enfin, ça fait pas assez. Ça fait pas assez bien. Enfin, pas assez classe, si vous voulez. Pas assez riche, parce que quand même, c'est une grande ville. C'est une ville assez prospère. Donc, ils ont du bon matériel pour construire leurs bâtiments, donc ça non. Mais je sais pas pourquoi, mais je trouvais que le Jungle Wood, donc celui-là, serait très bien. Déjà parce qu'il n'y a pas les délimitations aussi marquées que pour ici. On voit bien les bords en ferraille sur ce côté-là et sur celui-là aussi. Mais dans le coup, je trouvais ça sympa. Dans le même style, dans le coup, le bois d'acacia, un peu plus orange, mais ça rend pas mal aussi, je trouve. Ça rend très bien. Ah, mais non, mais je vais pas tout casser quand même. Alors, donc voilà, je me suis arrêté là-dessus pour l'instant. Donc, sur ces deux types de bois, pour l'instant, je pense que je vais faire la moitié d'une couleur et l'autre moitié de l'autre. Ça, je peux le laisser. Enfin, non, je vais le mettre un petit peu plus loin quand même. Voilà, de ce côté-là. Donc, je vais vous montrer tout. Là, dans le coup, je vais mo vous montrer le sol fini à la fin de l'épisode quand même, pour que vous puissiez avoir une idée. Et voilà. Ok, donc. Ça voudrait dire que le Jungle Wood irait jusque-là. Donc ici, ça voudrait dire que vu qu'il y aura les délimitations, on continue le mur comme ça. Voilà. On fera des ouvertures après, hein, c'est pas très grave. Faudra juste qu'on voit ensemble pour faire les diagonales. Mais dans le coup, on le fera jusqu'au bout. Hop, donc ça on peut le continuer comme ça. Voilà, c'est parfait. Je pense que vous avez compris. Je continue un petit peu pour qu'on voit avec le bois ce que ça donne. Mais franchement, je trouve que ça ensemble, je trouve que ça rend bien. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour ce bois-là. Je pense que je vais utiliser ce bois-là. Bon, après, ça dépend ce que vous me dites. Hein. Si vous êtes tous pour l'autre, je vais utiliser l'autre. Mais le choix est entre ces deux-là. Hein. Cherchez pas un autre type de bois. Les autres, je trouve que ça n'en rend pas assez bien. Là, ça. Bah, je trouve ça cohérent, en fait. Tout simplement. Juste cohérent. Voilà. Donc, il y a combien de distances ici? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est faire diagonale directement. Faire hop. Donc là, ça ferait
fait carrément la diagonale exactement la même au même endroit. Ça fera que ici sur la partie diagonale, ce sera plus petit, mais c'est pas grave, on s'adaptera hein, de toute façon pour faire quelque chose, pour faire ce qu'il faut. D'ailleurs, en soi, j'ai pas. Enfin, il y a une ligne que je suis pas obligé de faire, hein, c'est celle-là, je suis pas obligé. Hein, dans le coup, vu qu'il y aura le sol, ça se verra pas. Donc, on va continuer. Dans le coup, hop, bon, je vais faire juste la ligne au sol, déjà, pour commencer. Ah, décidément. Donc vous pouvez voir ce que ça, déjà commencer à vous imaginer ce que ça va donner. J'allais dire, je pense que je suis allé trop loin, mais non, pas encore. Ce qu'il faut que j'atteigne jusque-là. Jusque-là. Oh, ça descend bas. Du coup, j'utilise plein de blocs pour rien, mais c'est pas grave. Voilà. Et celui-là qui est aussi un plus loin. Je peux le monter direct, parce que les autres ne servent à rien. Et hop! Là, j'avais dit 17, c'est ça? Oups, je pense que je suis allé trop loin. Donc, alors, 1, 15, je vais construire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, ça fait 18. Alors, je pense que pour les bureaux, il va y avoir un étage. C'est possible. C'est pas encore arrêté, mais je pense qu'il va y avoir un étage. Et pour le centre commercial aussi, hein, bien évidemment. Si on a pour le bureau, il y en aura pour le centre commercial, ça me paraît normal. C'est le plus logique pour le centre commercial, je trouve. Déjà qu'il y aura pas mal d'étages, il y en aura un de plus en hauteur. Alors, on va presque avoir fini ça. Et on va pouvoir regarder ce que ça donne niveau surface des bureaux. Voilà. Alors, quand je dis bureau, c'est aussi les, vous savez, les endroits où il y a les renseignements, il y a là où vous achetez vos billets, etc., etc. Même s'il y aura aussi un petit kiosque ici, comme je l'avais dit, mais vraiment petit, avec vraiment les informations de dernière minute. Enfin, dans le coup, ce sera toujours les mêmes directions. Hein. Il n'y aura pas 36 000 directions. Ça reviendra au même qu'ici. Hein. Mais ce sera affiché partout. Je m'arrangerai pour faire un grand panneau indicateur pour indiquer les trains. Enfin, les trains. Donc, la surface donc qui sera aussi surface de boutique plus tard. Enfin, de l'autre côté. Donc, ça donnera ça comme ça. Donc, vous voyez, là on peut faire des bureaux. À la rigueur, ce qu'on pourra faire justement, c'est ici, ce sera uniquement bureau. Et là on coupera, et puis ce sera plus là accueil, ou là-bas, enfin, peut-être plus près de l'entrée quand même, l'accueil, etc. Donc on pourra faire des choses assez sympas. Faudra que je décore ce mur-là, que je rajoute des choses. Là aussi, bien évidemment. Je pense que je vais remettre un truc pareil qu'ici. Là, ça, je vais en mettre un pareil de ce côté-là. Ouais. Alors, bien évidemment, pour ici, ça sera pas tout à fait symétrique au niveau des boutiques. Je pense que ça va s'arrêter là, d'ailleurs. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Hein, parce que, tant qu'à faire. Donc. Ici, pas là, c'était trop loin. Alors, donc pour l'instant, on fait la même chose. Et c'est presque parfait. Non, pas du tout en fait. Voilà, on peut casser ça. Hop. On a l'habitude de la construction en diagonale maintenant. Hein. On fait ça les doigts dans le nez.
Ah oui, je voulais vous demander, pour les boutiques, pour la gare, proposez-moi des types de boutiques, du genre magasin de vêtements, etc. Je serais ravi d'utiliser vos idées. D'ailleurs, on va faire ça. Je ne vais construire aucune boutique tant que je n'ai aucune idée. Je construirai l'espace, enfin, voilà, mais je ne construirai aucune boutique tant que j'ai pas qu'on m'a pas suggéré d'idée. Après voilà, magasin de chaussures, magasin de vêtements, magasin de chapeaux, y a de quoi faire. Surtout que à quoi ressemblent les armures ici? Combat. Voilà, il y a de quoi faire. Laser cap et tout. En chapeau, ça fait pas mal avec les goggles. Ouais, elles sont sympas celles en or. Faudrait que je teste pour voir ce que ça donne. Et je pense que je vais peut-être m'équiper de ça pour la construction ici. Je vais voir ça tout de suite après. Et là, voilà. Je casse ça. Mince. On va y arriver, hein. Et comme vous voyez, ça avance plutôt bien. Regardez déjà tout ce qu'on a construit. On est à l'épisode 10, ma parole! J'avais pas réalisé. Je viens d'y penser là. On est à l'épisode 10. Regardez. On a les quais qui sont faits. On a le pont qui s'étend. On a l'autre pont. On a le quai souterrain. On a les murs. Le sol va être terminé dans ce... Enfin, si c'est pas dans cet épisode, c'est au moins dans l'épisode d'après. Voilà. C'est pas mal. Donc voilà. Pour les boutiques, enfin pour la partie centre commercial, justement ici. Oula, je crois que je suis allé un trop loin en fait. Voilà, là c'est bien. Donc ça va aller jusque-là. Dans le coup, vous voyez, de l'autre côté pour les bureaux, là ça a continué par ici, jusqu'à ce niveau-là. Pour après aller dans cette direction. Là, non, là ça va être plus grand. Déjà parce qu'il faut mettre des boutiques, parce que ça sera un peu un centre commercial, donc il faut des grandes boutiques, faut la partie accueil des visiteurs, faudra mettre. Tiens, est-ce que les ascenseurs existaient? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que à l'époque victorienne, un système d'ascenseur existait? Sinon, il y a les escaliers. Je pourrais quand même faire un ascenseur enfin voilà, pour dire on fait un ascenseur, etc. Mais je suis curieux de savoir si les ascenseurs existaient en fait. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je serais vraiment curieux de voir. Tiens, on va aussi mettre le sol ici. Ouais, j'aime bien. En plus, avec la nuit, je trouve que ça fait un peu jaune moutarde et j'aime bien. Enfin, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Donc, ça reste sympa. Celui-là aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Mais en fait, je suis pas décidé. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis. Je suis indécis. Je suis indécis. Donc, on va faire la fenêtre comme on disait, tant qu'à faire. Pour que. Là, vraiment, il y aura vraiment des choses particulières. Il n'y aura pas le même pattern de fenêtre. Non, ça va pas prendre longtemps. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je fais un de trop, c'est pas. 3, 4, 5, 6, 7, là. Mais c'est pas grave que là ça vient ici. Et voilà. C'est parfait ça. Donc ouais, je suis content du rythme auquel avance la série. Franchement, je pensais que la construction serait plus lente. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de construction en dehors, mais après c'est pas de la construction que vous avez nécessairement besoin de voir. Ça vous apporte pas particulièrement.
Il y a certaines choses, c'est vrai, que j'aurais pu construire avec vous, mais j'ai quand même aussi un petit peu envie que ça avance, un minimum. J'ai pas envie qu'on se retrouve à l'épisode 50 avec la guerre pas terminée, quoi. C'est l'épisode 50, faut qu'on se soit attaqué à d'autres choses, quoi. Ça, c'est certain. Mais oui, de toute façon, il y a pas mal de choses qui seront faites hors caméra, ça c'est clair. Comme par exemple bah, les rues, les bâtiments tout simples, les bâtiments qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, genre bah, les bâtiments d'habitation qui se ressemblent tous. Là, c'est sûr que c'est pas des choses que je ferai en caméra. Donc, comme vous pouvez voir, la gare reste quand même assez grande, même malgré la zone de bureau. Par contre, tant qu'on n'a pas mis le sol, je vais boucher ça, parce que ça me perturbe. Donc voilà, je pense, bah, je vais finir les murs et tout hors caméra, enfin finir le sol en tout cas. Je vais tiens, délimiter la moitié maintenant. La moitié, la moitié, la moitié, elle est où? Bien sûr, la moitié, c'est le bloc. Je suis con, c'est le bloc central. Y a un bloc central juste là, donc je vais partir de là. Des fois, je réfléchis pas, hein. Alors, on va partir d'ici. Et je vais tout finir hors caméra pour vous le présenter plus tard. Le sol fini. Donc ouais, comme j'ai dit cette fois, pas de construction, enfin il y aura peut-être des constructions entre les deux épisodes, mais pas de suspense sur ce que ça va donner. Et on fait la même chose ici. Ouais, donc je vais le faire avec cette ligne-là, non. Ça sera, vu que là c'est un petit peu plus court de ce côté-là, ça donnera un petit peu plus de bois. C'est pas grave. Donc je finis cette ligne et je vous retrouve tout de suite avec le sol construit et peut-être au moins un petit peu de mur fait. Voilà. Au moins sur cette partie-là, quoi, pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, je finis ma ligne, je finis mon rail. Allez, voilà. Maintenant que c'est fait, je vous dis à tout de suite. Et nous sommes de retour. Donc tout est terminé, tout le sol est terminé. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et voilà. Donc vous voyez bien hein, la couleur d'un côté, l'autre couleur de l'autre. Alors après avoir terminé ça, les deux me vont. Enfin les deux me conviennent vraiment. J'ai pas d'a priori particulier pour une couleur en particulier. Je crois quand même que je préfère celle-là. Je trouve que ça fait plus sobre pour une gare. À la rigueur, la combinaison brique et ce bois-là, on pourra l'utiliser pour d'autres choses. Mais je me dis que ça sera peut-être mieux pour une gare. Mais bon. Après, je vous laisse aussi juger. Je vous laisse la possibilité de me dire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas, allez-y. Ah oui, il y a cette fenêtre-là. Je crois que je l'ai pas reproduite là-bas. Bon, c'est pas grave, je le ferai entre les deux épisodes. Ok, bon, on va voir, ça charge, oui, je l'ai pas reproduite, c'est bien ce que je pensais. Ok, donc ce sera tout pour cet épisode, c'était la dernière chose que j'avais à vous montrer, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit thumb up, à partager la vidéo, à faire découvrir la chaîne, etc. Là, on va essayer, tiens, de voir ce que ça donne de plus haut. L'ensemble, parce que là on a notre croix, dans le coup qui ne paraît plus si grande que ça au final maintenant qu'il y a la gare. On va voir la gare de haut ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal hein. Bon, il y a juste là le sol en briques qu'il faudrait que je termine. Bah, ça c'est pareil, hein, je le ferai entre les deux épisodes. Mais ça sera fait au prochain épisode, hein, ça sera terminé. Donc voilà. Je vais pas vous retenir longtemps, je vais arrêter la vidéo là et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. See you!